Le supporter et quelques membres du bureau du FC Saint-Éloi-Loupopo ont organisé ce mardi une marche de protestation contre la GECAMINE qui aurait bloqué les paiements d'environ 3 millions de dollars américains à leur sponsor NB Mining Africa. Selon le supporter des Jaunes et Bleus de Lubumbashi, cette situation aurait bloqué l'avancement des travaux du stade Loupopo. Leur marche de protestation a chuté par le gouvernorat des provinces où ils ont été reçus par le numéro 1 de la province, l'honorable Jacques Kiabula Katwe. Ils sont environ une centaine de supporters et membres du bureau de l'équipe de Saint-Éloi-Loupopo à venir porter leur ras-le-bol auprès du gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiabula Katwe. Avec des calicots, ce supporter des Jaunes et Bleus de Lubumbashi accuse la GECAMINE qui aurait bloqué le paiement d'une importante somme d'argent appartenant à NB Mining Africa, entreprise sponsor de leur équipe. Cette situation aurait bloqué l'avancement des travaux de réhabilitation du stade Loupopo. Recevant les mémorandums du FC Saint-Éloi-Loupopo, le gouverneur de province les a encouragés pour leur démarche entreprise et aussi de son implication dans ces dossiers. Je prends bonne note, il y a la préoccupation à Yenu, et puis je vais m'impliquer pour que la GECAMINE, malgré ma difficulté, GECAMINE et Ronayo, on peut négocier une joie qu'on a GECAMINE à Miripe, à RIPNB, et que NB aussi. Satisfaisantes les réponses de l'autorité provinciale, les supporters de FC Saint-Éloi-Loupopo ont quitté le gouvernorat, tout joyeux.